Bonjour à tous et bienvenue pour l'Euroquiz. Si ça vous plaît, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire et à partager une vidéo que vous avez appréciée sur la chaîne. Ça fera extrêmement plaisir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Margot. Bonjour. Maxime. Le producteur de la chaîne, Jason. Alexa Monster, putain. Alexa Monster. Et derrière la caméra, le cadreur, Hugo. Aujourd'hui, l'Euroquiz est simple, ça consiste à répondre au quiz. Chaque bonne réponse vaudra un point, chaque mauvaise réponse vaudra une surprise, un jet d'eau dans la gueule. Elle m'énerve, ça y est, elle m'énerve. Il a pu les mots, il a perdu sa phase. Moi, je suis en impro total, il n'y a rien d'écrit. Ouais, mais tu dis juste sérieux, genre. Voilà. Pour ce premier défi, ça va... Attends, putain, je sais plus ce que j'allais dire. Il a attends, perdu les rec, mots. Arrête pas le rec. Attends, faut que je trouve mes mots. Putain, mais c'est il avait les oui, mots. Oui, je sais. Non, mais attends, c'est de l'impro. Hein, c'est pas écrit. Bon, la prod en PVN. Il s'en bat les couilles. Pour ce premier défi, nous allons faire un concours soit de jongle ou soit de petit pont. À vous de choisir. Vous préférez quoi? Aux participants, choisir. Petit pont ou jongle? Ah, vas-y, choisis. On a saut de mouton. Attends, saut de mouton, c'est une bonne idée. petit pont, ça les roule. Pour un concours de petit pont, c'est parti, ça va valider vos places. Celui qui arrivera ici en premier, il a de la chance. Le reste, vous l'avez dans le cul, je pense. Mais sans vaseline, hein. Pour ce premier concours de petit pont, c'est parti. Je serai à la présentation, mais je vais aussi participer à ce concours. Ça me plaît, j'ai envie. Et Jason aussi sera à la présentation avec moi, mais va aussi participer. Voilà, sinon, il faut que tout le monde soit équitable. Sinon, c'est pas drôle. Il faut que l'Euroquiz, ça soit vraiment... Voilà, ça part en couille, mais vas-y, ouais. Faut que ça soit carré. C'est de l'impro. Fais des textes, Malcolm. Non, j'ai posté sur ça de toute façon. Bon, du coup, qui commence? Je confirme. Les participants. Allez. Vous le faites à deux? Je ne sais pas comment ça se présente en fait. C'est pas, tu fais un concours de petits ponts, je vais vous envoyer la balle et puis c'est un one shot. Le premier qui met un petit pont, il gagne une place. Ouais, frère. Ouais, c'est vrai. La gueule, quand même, ça fait. Des petits ponts, Nati! Tu calmes. Eh? Non, je vais faire une lignée. Mais la crème, c'est. Allez, écarte pas les cuisses. Elle l'a mis, hein. Ça compte. Moi j'ai vu un petit pont, mais après je suis pas sûr. Vas-y, ouais, revois. Non, j'ai pas vu le petit pont personnellement. Ah, bon, moi je veux revoir. Oh, moi je demande la VAR. Bah c'est alors filmé, donc tiens la VAR. Non mais. Allez, vas-y. Sinon je suis en papier. Moi je l'ai vu. Bah, il y a eu un petit pont là. Bah, il faut le récupérer. Quoi? Faut le récupérer? Ah, oui, faut le récupérer. Ah, oui, voilà. Ah, un petit pont pour récupérer. Moi j'ai vu un petit pont. Non, mais un petit pont pour récupérer le pont. Ah oui, ça va, ça va. Comment ça, c'est-à-dire quoi ça? Mais un petit pont! Allez, vas-y, allez! Mais un petit pont! Les 14 fois, je fais des petits ponts! Ouais! Bon, perso, j'aurais été plus vite. Hop là, petit pont! Jason a gagné la deuxième place, mais comme il présente, il participe pas vraiment. Carrément. Ah, dommage! Putain, elle aurait été belle! Dans les enjeux. Non, avec le pied, j'ai l'impression de voir mon fils. Putain, ça va être long. Ah bah là oui. Et essayez pas en fait de t'écarter les jambes. Non mais il est sorti du contexte, c'est très bizarre. C'est très bizarre, sorti du contexte. T'as pas récupéré le ballon? Ah, il fait qu'il est règle alors de récupérer ouh le ballon. Défonce pas le décor. C'est toi, hein. Tu tournes en haut. Oui, oui, je l'ai mis. Ah oui, si, je l'ai mis. Je suis ouais, d'accord. Non, ça fait une demi-heure, je dis qu'il faut récupérer la bâche là-bas. Oh, le bâtard. Yop là. Bravo. Félicitations. Félicitations. Bravo. Merci, cadreur. Bravo. Les jets d'eau, ce sont ces petits pistolets achetés à bon prix. Ça vise bien. Ah. Eh, oui. Eh c'est parfait. Parfait. J'adore. Parfait. Attention, je tiens. Parfait. Deuxième. Ah oui, c'est bon. Voilà. Chaque bonne réponse que vous prononcerez. Voilà. Ça sera trois coups de klaxon. C'est ça, c'est un piège, hein. Oui.
Alors, Jason, je t'invite à venir. Je te laisse t'asseoir parce que moi je me suis assez assis pour aujourd'hui. Et je dis la question, s'ils disent la mauvaise réponse. C'est le plus rapide ou un par un? Le plus rapide. Okay. Voilà. Celui qui répond pas, il y a un jeu. Celui qui répond mal, il y a un jeu. Ça fait deux jours. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Non. Non? Bah t'as pas le choix. Alors, les règles du jeu sont expliquées. Vous avez compris votre sentence si vous répondez mal. Si vous répondez bien, il y a un cadeau à gagner. La chaîne YouTube? Non, toujours pas. J'essaye. Alors. Non, je suis la boule. On y va? Ah, c'est la boule. On est d'accord à la première question? Bon, ça va, il est simple. La réponse, elle est là. C'est là. Ah, ok. Ouais, mais je le dis. Il y a des choix multiples? Oui, oui non. Non. Ah, ouais. Pas alors, attention, première question. Quel pays a remporté le plus de fois le championnat d'Europe? L'Allemagne. Ah, t'as répondu mal, hein, je suis désolé. Hein. Mauvaise réponse, j'ai d'eau. Mais du coup, Maxime, félicitations. Du coup, c'est pas une mauvaise réponse, c'est qu'elle n'a pas répondu. Elle n'a pas été assez rapide, je suis désolé. Bah oui. C'est comme ça que ça marche. Attends, il y a un problème dans... Ouais. Oui, il y a un problème. Voilà, c'est question, hein. Voilà, c'est bon. Il n'y avait qu'une question, je suis désolé. Pas de vidéo. Dans la prod, on va mettre un écrivain aussi. Ouais. Non mais ça va, ça va, ça aurait pu être pire. On fait des feuilles de questions. Attention, attends, il y en a encore deux. Attention, celle-là, elle est simple. Genre, voilà aussi le pistolet, sinon il... pourquoi tu te fais de t'amuser, merde. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait deux là, c'est pas... Moi je te vise déjà. Non, je te vise. Parce que la réponse elle est simple. Ah oui. Si tu réponds mal, vraiment t'es une merde. Ah, faut être rapide. Où se déroule, attention, l'Euro 2024? À Berlin. Le pays? L'Allemagne. T'es nul! Merde! Oui. C'est pas possible, hein. J'ai une nul. Combien d'équipes participe à l'Euro 2024? 27. Nul! 27! Y'a pas des questions sur l'OM là, je connais moi! Ah y'a pas l'OM, je suis désolé, même moi je suis triste. Oh non, c'est vas-y. Putain, là, tu vas on parle fort. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Quel est le nom officiel du trophée de l'Euro? Le nom officiel du trophée de l'Euro? Ouais, c'est vrai qu'elle est dure. Du coup, j'en prends deux. Bah ouais. Ça fait trois. Il y en a deux. Vous avez trouvé? Non, joueuse 10 secondes. Oh, mais ça y est. Oh, c'est foutre rien, tu peux m'allumer déjà. 6. Feu! Voilà, c'est parti. Alors. J'ai peur de m'en poser en ou quoi. Toi, on va viser du jeu tout l'eau. Quel pays? Non, bah non, pas le cadreur. T'es con? Franchement, c'est t'es trop... vraiment un enculé, toi? Pas le cadreur? Toi, t'es con? Faut pas faire des choses comme ça. Il t'a rien fait? Allez, c'est tout! C'est tout! Ça commence à partir en couille, cette histoire. Alors, je sais même plus où on était. C'est bon! Attention! T'as envie de dire la réponse, quand même. La réponse? Bah ouais. Pourquoi j'ai la réponse? Bah ouais, bah tu peux ah oui! Voilà! Voilà! C'est... Non, mais c'est dur. La question elle est là, la question elle est là. Tu veux aller, ah, la réponse. Ah oui. Oh là là. Le nom du trophée de l'Euro est le trophée Henri Delaunay. Fallait savoir. Voilà. Fallait savoir. Moi je savais pas. Moi je connais Henri H, mais pas Henri. Alors attention. Quel pays a remporté le plus grand nombre de titres de l'Euro avant 2024? Et le nombre aussi de titres. Allez Margot, tu peux le faire. Il y a un pays au pif au pire. Attention. Il demande une... Oui, pardon, vous voulez un indice? Non, il me donne la question. Ouais. Quel pays a remporté le plus grand nombre de titres de l'Euro avant 2024? La France. Avec combien de titres? Combien? 3. Ouais. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Tu veux pas faire le point de pointe? Pu, T'aimes bien le pot-pot, toi. Trois coups à chaque fois. Arrêtez de casser le décor.
Non, faut le tenir là. Là, tu tiens le bout. Bien, bien. Nickel. Alors. Oui, je prends ma feuille. Qu'est-ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien les gars. Après, il y aura une revanche ou ce sera toi où on pourra tirer dessus. Question suivante. Quel est le format de la compétition pour l'Euro 2024? Quel tableau, si tu préfères? Quelle est la forme du tableau pour l'Euro 2024? C'est une poule avec 4 équipes à chaque fois. Combien de groupes? 8. Vas-y, t'as droit à un joker là. Ouais. Combien de groupes? 7. Ah, Astagiorlof a des comptes. Hein. Alors, c'est des phases de groupe avec 6 équipes. 6 groupes de 4 équipes, pardon, excusez-moi. Suivi des 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Eh ben, qu'est-ce qu'elle est venue. Alors, je t'en prie, vas-y. Quelle est la date du début de l'Euro 2024? Le 14 juin. Mais il est trop fort, lui! Ouais, c'est bon, j'arrête. Yes, mais il est trop fort! J'ai une question, t'as sucé des champs ou... pour avoir l'emploi du temps, là? Non, mais t'es trop fort, toi. Il est calé de ouf. Le 14 juin 2024, effectivement. Excuse-moi, je t'ai oublié. Ah ouais? Ouais, bah, ça m'a servi. Ça y est, là, ça y est. Je commence à perdre. Moi aussi. Ah, mince, quel dommage. Non, on vide d'abord. Faut que ça soit vide, hein. Attends, non, encore. C'est bon. Quelle équipe a remporté l'Euro 2020? Putain, mais c'est bon. Il est trop fort. Putain, mais nul. J'ai plus d'eau. C'est pas grave, change. Je m'en vais sur l'OM. T'as raison, j'accuse l'OM. Un G. Ouais, c'est bon, c'est fait. C'est bon. Aïe. Ah non, c'est pas aïe, là. C'est pas tout bon. Combien de fois l'équipe de France a-t-elle gagné l'Euro avant 2024? Deux fois. T'es nul. T'es nul, Maxime. Merde, t'étais bon. Remplaçant. Vas-y, vas-y, touche. Mais d'ailleurs, c'est la seule fois que je pourrais avoir une bonne réponse. Punaise. Maxime, tu vas essayer de le bon touche, je te le dis. Moi. Alors, quel est le stade ayant la plus grande capacité parmi les stades accueillant l'Euro 2024? Indice, c'est Munich. L'Alliance Riviera. Mais il est trop fort. Punaise, c'est pas possible. J'ai plus d'eau. Ça fait un beau contraste. Bon, attention. Toute l'eau gaspillée quand même. C'est vrai qu'elle peut. C'est vrai, mais c'est de l'eau non consommable. On est écolo ici dans cette émission. Faire comme ça, je vais mourir après. C'est bon. Oui, poussière. Non. Non, là. Olympia Stadium. Oui. Le faire. Non, c'est bon, c'est fait. Ah oui, oui. Ah oui, 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 pardon. Ah ouais, oui. Excusez-moi. Mais on est nuls, hein. Ah oh, oui, mais bon, j'ai voilà. Quelle équipe est surnommée les Diables Rouges? La Belgique. Mais plus vite. Attention. Attends, je me croirais dans qui veut question pour un champion, je te jure. Là, c'est question pour un con. Allez, le perdre. Question pour. T'as la caméra, c'est con. Attention. Ça va aller vite. Non. Qui était le meilleur buteur de l'Euro 2016? Antoine Griezmann. Oui. Ah, c'était pour plaisir. Voilà. On reste toujours en 2016. Quel pays a organisé l'Euro 2016? Juste pour ça, j'ai envie de te mettre à genoux. Je peux tenter un pays. Vas-y. On a tenté. Tente un pays. Il est bleu. C'est la France. Nul, Maxime. En fait, je pensais que la France c'était en 2018, du coup, je n'ai pas tenté. Non, c'était en Russie 2018. Moi, je dis ça, je vais souffler la réponse. On nous voit? On nous voit, la cam? Mais mon gars, là, le carré, il est bien. On voit toi comme les participants, là. Ah, parfait. Attention. Combien de villes allemandes accueilleront les matchs de l'Euro 2024? Attention, ça se compte sur les doigts d'une main. Trois. Deux mains, pardon. Ouais, bah. Ouais, bah là, du coup, t'es ton truc, il est voté. Oh, on ne contredit pas le présentateur. Subordination, pardon. Ça se compte sur les doigts de deux mains. Un G chacun. Un G, vous avez pardon. Ah, elle avait pas eu de G. Mais tu fais quel nombre avec tes doigts? 10. Ah, putain. Pardon. Ah, excuse-moi. Pourquoi? Bah, elle est bon. Pourtant, la question était facile. Ça se compte sur les deux mains.
Quelle est la mascotte officielle de l'Euro 2024? C'est quoi, précisément? Un lys, un animal. Un coq. Raté! Chabata. Joker. Raté. Un jaguar. Nul. C'était un ours. C'était un ours. Ah ouais. Voilà. Tu prends bon, Jason, il a fait roux, ça, un ours. Ah ouais, j'ai vu roux. Ah ouais. Un ours. Hey, j'ai la carrière d'un ours, je sais pas. Ah lui, il aurait mieux fait. Attention, c'est non, lui, c'est cochon. Ah, rapide alors, du coup. Non. Quelle équipe nationale est surnommée la nationale? Exact. Tout à fait. L'Italie. Très bonne réponse. Attention. Quelle équipe a surpris tout le monde en remportant l'Euro 2004? La Chine en 2004. La Grèce. Très fort. Très fort. Félicitations. Ça va pas être né en 2004. C'est qu'il est après moi. Oui, quel joueur a le plus de sélections en équipe nationale pour l'Allemagne avant 2024? Thomas Müller. Non. Oh, j'avais dit. Ah oui. Ah non, c'est bon, donné. Avec 150 sélections. Je n'ai pas de joueur allemand, ça. Réponse? Bah ouais, la réponse, moi. J'ai du mal avec la main. Lothar Matthäus. Attention, quel est le format de qualification pour l'Euro 2024? Il me faut la phrase. Non, les questions. Les deux premiers, enfin les deux... Quel est le format de qualification pour l'Euro 2024? Les deux premiers de chaque groupe, ils jouent les 8, enfin les... Ouais, les teams. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Arrête! C'est quoi, j'ai des missions. Tu m'as tout visé. C'est pas bon, je vais me prendre d'avoir dans la bouche. Bon. La vidéo est déconseillée au moins de 18 ans. En vrai, écoute, tu mets ce que tu mets dans ta bouche, d'accord, hein? Ça, pas, ça ne regarde pas. Mon dieu. Il y en a pas. Il y en a plein. Quelle est l'année de la première édition du championnat d'Europe de football? En 1900. Oui, bah. Franchement! Putain, j'avais pas deviné! 1966. Non, mais il était plus près! Et j'ai encore rien dit! Bah, parle! 1970! Eh bah, non, t'es nul! Voilà, 1960. Il était presque. Attention, quel pays a remporté le premier euro en 1960? L'URSS. Eh, très fort! Très fort! Ça, tu me l'avais dit en plus! Incroyable! Tu me l'avais dit! Eh, ils ont révisé, hein! C'est la seule chose qui me fait. Non, toi, t'es nul! Toi, tu parles pas, t'es nul! Un peu de respect, s'il vous plaît. Vas-y. Combien de fois l'Allemagne a-t-elle remporté le championnat d'Europe avant 2024? 3. Combien? 3. Exact. On l'a pas dit. Exact. Mais tu mérites des pouettes-pouettes, hein, c'est un... des pouettes-pouettes. Moi, je suis content des pouettes-pouettes. Bon, attends, on lance déjà l'histoire, c'est tout de suite. Putain, comme votre pouette-pouette arrive à la baraque. Quelle équipe a remporté l'Euro... Non, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça, quelle équipe a remporté l'Euro 2004 contre toute attente? Ça a été dit tout à l'heure. Oui, c'est bien. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi. C'est ma faute. Quel joueur détient le record du nombre de buts marqués en phase finale de l'Euro? Facile. C'est facile. Ronaldo. Exact. Ouais, tu copies, c'est pas bien. Non, c'est mon pays, je mérite cette réponse. Non, ton pays, c'est la France, tu te calmes, d'accord? Non, je suis portugaise. Oh là là. Bon, bref. T'as dit qu'on se met les murs, toi. Combien d'équipes participent au tournoi final de l'Euro depuis l'édition 2016? Au tournoi final? Oui. Bah, c'est deux? Non. Final. Ah, au tournoi. Non plus. 4. Mais t'es nul là. Mais il n'a pas la réponse non plus. Monte un peu. 8. Monte un peu. Beaucoup. Ouais. Monte beaucoup. 6. Monte. Monte. T'as pas dit descends. Monte. 10. Elle a dit 16 tout à l'heure. Hein. C'est pas, bon, bref. J'ai 18. T'as dit. T'as les réponses, toi? Non. Bon. Bah, dis un chiffre. 20.
Bon. Attends, je vais t'inviter. Non, mais attends, réponds à la question. Parle de la question, là. Oh, mais il y en avait 24. Quel pays a remporté l'Euro 2020? Bah oui. Ah ouais, tu... Ah merde. Mais je suis désolé. Mais je suis désolé. Attends, peut-être si j'esquive. Non, il n'est pas par là. Non, là, ça va, c'est bon. Eh, j'ai les questions. J'ai les questions. Il n'est pas un joker. Si, ça compte. Non. Oh, on va aller chercher ça. C'est bon. Quelle ville a accueilli la finale de l'Euro 2020? La ville. Quel pays a... Bah celui, c'est pas... Non, mais oui, on sait les pays. Ouais. Quelle ville a accueilli la finale de l'Euro 2020? Ah, c'est pas comme si l'Italie, c'était gros, quoi. Ah, c'était il y a 4 ans. Je sais pas. Royaume-Uni. Ouais, bien. Ah, mais attends, faut les aider, quoi. Bah ouais, faut vous aider, en plus, attends. Putain, ils font des longs, après, ils descendent. Ouais. Qui a été le meilleur buteur de l'Euro 1984? Platini. Ouais, oh. Il a révisé ses classiques. Trop bien. Quelle équipe nationale est surnommée la Roja? Bah, c'est Espagne. Non, bah, elle a eu bon, moi, perso. Ouais, mais on a dit le premier, il a gagné. Ouais, mais bon. Ne sait-on jamais. Quel pays a organisé l'Euro 2016? La France. C'est la France. Non, je crois que j'ai pas assez de munitions. Oh. Ah. Bravo. Il n'est pas rempli, sûr. Combien de pays ont remporté l'Euro une seule fois avant 2024? Il y en a 9. Mais t'es con? Mais c'est là. Mais t'es con, tu viens de dire la réponse, couillon. Pardon. Tu vas aller passer des pays, je vais te dire. Non, je pensais qu'on... quel pays a remporté une fois l'Euro? Je croyais que tu devais dire le nom des pays. 9 pays. Ouais, bon. Mais pourquoi? Je suis désolé. Tu l'as posé. Mais t'es trop con. Écoute, tiens... Allez, c'est tout, c'est bon. Quel pays a été le premier à remporter l'Euro deux fois de suite? En vrai, c'est un nom de pays qu'il faut. Voilà. Un nom de pays, attention, ne dis pas la réponse. Voilà. Quel pays a été le premier à remporter l'Euro deux fois de suite? L'Allemagne. Mauvaise réponse. L'Espagne. Oui, attends, voilà. Je vais dire. Fallait le dire, hein. Dire ça alors que tu dis pas. Non, ça on l'a déjà dit. Ouais. Je suis sûr qu'elle va prendre sa douche, elle va penser à vous, elle va faire. Non, mais littéralement, je vais prendre mon shampoing, je vais prendre mon shampoing du dimanche. On se tait là. Silence dans la salle. Silence dans le garage. C'est mieux. Silence dans le garage. Bon, bref. Quel pays a remporté l'Euro en 1988? J'ai pas entendu. Quel pays a remporté l'Euro en 1988? J'ai pas la réponse. C'est bon. Ce serait pas genre le Danemark? Genre l'URSS? Non. Ça, c'est en 60. On vous donne la réponse? Ouais. C'est les Pays-Bas. Voilà. J'allais donner un indice. Mais... Ah bah, pas. En quelle année l'euro a-t-elle été organisée pour la première fois par deux pays hôtes? Ils sont côte à côte. C'est vrai, ils sont côte à côte. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais. Je donne un indice. BPB. Ouais. Bah non, mais surtout. Bah, BPB. Ils cherchent l'année. Tu peux leur dire les pays. Pays-Bas, ah. Belgique. Ouais! Mais attends, attends. En quelle année? Ah! Bah, vous l'avez dit en 1968? Non, non. 88? Non. Ah! Attends, j'ai pas compris. Mais j'ai dû la réponse du pays. Ah ouais, mais on cherche l'année. 1988? Mais j'ai pas dit encore la 1900, c'était bon. Déjà là, ça partait en couille. Ah, c'est en 2000! Ouais, ouais, voilà. Mais lui, il n'a rien. À un moment, après, moi, j'ai fait pistolet. Attention, quel est le plus grand nombre de buts marqués par un seul joueur lors d'un euro? Il est président de la... Non, il est président de l'UEFA. J'ai un chiffre, et après, on donne la réponse. 27.
Ah, non, c'était 9 par Michel Platini en 1984. Bien, j'avais déjà Didier Deschamps en plus. Oh punaise! 96, 98, tu vas arrêter. Allez, vas-y, je te laisse celle-là. Quel pays a remporté l'Euro en 1992? Il joue à l'Euro cette année. Ils sont pas très cotés. Ouais! C'est plutôt. Pour et ben on fera des coups de fouet de fouette. Combien de stades différents ont été utilisés pour l'Euro 2020? Un chiffre. 12. Oh, t'as un petit G. Ah, c'est pas loin. 10. 11. Ouais, voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, attention, dernière question de ce jeu de l'Euroquiz. Le gagnant aura droit de déguiser une personne de son choix avec tout ce qui est devant vous. Libre à vous, faites ce que vous voulez. Vous avez toi, Malcolm. Non, moi je présente. Moi je présente, je, t'as dit, je n'ai rien à voir. T'as dit de son choix. Puis c'est sa chaîne, donc c'est à lui. Voilà. Attention, dernière question. Vas-y, Jason. Et celle-là, tu la gueules, je veux l'entendre. Non. Dernière question. Oh, elle a déjà été posée. Oh. C'est quoi? Oh, la fin. Il y a la Effectivement. Ah ouais. Effectivement. Ouais. C'est ça que je pense. J'en ai une. Ah. J'en ai une. En rapport avec l'euro? En rapport avec l'euro de cette année. Si vous avez tous les deux bonne réponse en même temps, c'est lui qui se fait arroser. Ah, pas ouais. Par lui, mais par une bouteille. Oh bah non. Allez, t'es chez toi, quoi, c'est bon. Merde. Allez, pose la question. Du coup, pas le plus. Attention, chez vous aussi, n'hésitez pas à répondre à cette question très importante. Qui est le meilleur buteur de l'équipe de France? Olivier Giroud. C'est gagné. Ah bah, du coup. Oh, mais non. Mais j'ai dit c'est gagné, j'ai pas dit on rouille. Non mais alors, c'est pas du jeu. Moi je dis une bouteille. Une bouteille? Non. Attendez. Ah. Vu que vous avez raison, on va remplir les pistolets là-haut et vous allez l'arroser. Ouais. Tous les deux. Parfait. J'ai le droit à un joker, moi? Non. Non. T'es présentateur. T'as le droit de rester au drapeau. Voilà. L'Euroquiz pour cette première édition a eu des gagnants, même s'ils sont nuls, on va pas leur en vouloir. Ils ont choisi de me décorer, malheureusement je vais devoir subir. Pourquoi? On sait pas. Pourtant je présente bien, je fais les choses bien. Non. Ce décor est bien, ce décor est bien. La seule chose de bien. Oui. Ah d'accord, ok. Bon, écoutez. Bon, bah. Allez, bon, trop de blabla là, c'est chiant. Parfait. Écoute. Reste comme ça. Reste comme ça, écoute. Moi je suis... Je veux bien, hein, mais... Là, parce que... Toujours plus. Oh là là là. Ils savent pas mettre les choses bien. Non. Ah oui, c'est ce que je voulais faire. On a le droit de faire des blagues limites ou pas? Des blagues limites? Ouais. Non. Ah, non, c'est dommage. Je vais faire quoi? Parce que je t'en ai bien. Ouais. Et dis-leur ton moustache. Oh putain. Non, non, pas la moustache. Non, 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 non. Ça passera pas sur YouTube. Ah oui, c'est pour ça que je demande avant. Mais ça, j'ai pas de... malade ou quoi? Mais ça, sur les oreilles. Bah, tu peux le faire, aussi. Non, mais pas tout, hein. Je jamais. Enfin, ils vont te juger pour la blague que t'as dit, vas-y, je te demande. Le casser. Mettez-les bien. Hein. Bien bleu, blanc, rouge. Pas rouge, blanc, bleu. Bah oui, j'ai dormi là. On me l'a fait une fois, hein, mais rouge, blanc, bleu. C'est très rigolo. Voilà. Non, t'aurais dû les mettre derrière la lanière ou autre chose. En fait, moi je suis un objet là. Oui. Ouais, mais c'est pas si marrant comme ça. T'as pu aller appuyer, j'ai l'impression, la phrase. Il y a déjà deux munitions là. Il y a déjà deux munitions. Galère avec le verre. Ici. Merde, je vais l'en faire du coup. Je m'en fous. Allez, t'as la France et le Pays-Bas, bon. Eh tiens, d'ailleurs, regarde les matchs, là, il y a des matchs. J'ai parié, dis-moi. Oh putain, j'ai envie de colorer sa barbe. Non. Oh, ça aurait été si drôle. Non, ouais, j'ai un fils, moi, allez voir. Ça se fait pas, franchement. Bah, c'est du maquillage, ça s'enlève. Non. Si. Non. 2-1 pour les Pays-Bas.
2-1 pour les Pays-Bas. Ouais. Let's go. J'ai gagné mon pari. Oh. Et le prochain, c'est... Attends, pas maintenant. On va faire la fin de vidéo en même temps. Le prochain, c'est à 18h. Okay. Le Belly Dan Mark. Ok. Bon, attends, on va faire la fin de vidéo. J'ai pas fait esprit, là. Go. Non. Attendez. Putain, je les sens, ils sont déjà prêts à tirer. Les gars, je suis là. Bouge plus. Bon, je ne sais pas quelle tête j'ai actuellement. J'ai ce bâtard. Hugo. Hugo. Ah, bah, je vais me faire... T'as perdu ta boucle d'oreille. Voilà, remets ta boucle d'oreille. Excusez-moi. Et remets tes manches. Oui, donc. Ah, bon, Hugo. Bon, je ne sais pas quelle tête j'ai actuellement. J'espère que l'Euroquiz première édition vous aura plu. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je les vois, vous les voyez pas derrière la caméra, mais moi je les vois. Ils sont prêts à tirer. Et voilà. N'hésitez pas à partager une vidéo que vous avez appréciée sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. C'était Malcolm et on se dit à très vite. Bonne vidéo à tous et bon euro, bon match. Parce que là, j'ai les lunettes, elles sont trouées. C'est chaud. Et vous me dites. Bon, attends, on filme. Finaise. Moi, je présente une émission amateur qui s'annonce incroyable et on me gicle à la gueule comme ça. Franchement. Ah, putain de merde. Non. Putain, je me suis auto-tiré dessus. Ouais, moi aussi. C'est tout. Stop, t'as arrêté le raid, Hugo. Non, j'arrête pas. Merde. Le temps que les munitions sont pas vides, j'arrête pas. Ouais, mais moi je suis vide là. C'est bon, y'a plus. Ah, j'en ai dans le dé. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo.